Jean-François, je me suis toujours demandé comment venait l'inspiration des artistes. Oui. Il y a un certain nombre de toiles que tu as faites où on voit des passants en plongée. Avec une grande ombre. Avec une ombre très étirée. D'accord. Et je me demandais comment était née cette série. Alors, je dormais, je rêve. Je suis sur le pont, deuxième pont d'un bateau, accoudé au bastingage. Je regarde en dessous et là, je vois des marins tout de blanc vêtus qui passent sous mes yeux avec une ombre gigantesque parce que nous sommes au soleil couchant. Et je dis, mais c'est superbe, voilà ce que je vais faire. Et ça tombait bien, je cherchais un sujet, j'avais une toile vierge, donc j'ai commencé à faire l'esquisse. Puis je me suis dit, c'est mieux de travailler d'après des vrais éléments. Donc je me suis saisi de mon appareil photo, quand je suis parti aux États-Unis, je suis monté sur le toit de la gare, j'ai fait des photos des gens qui passaient en dessous pour avoir des documents. Voilà. Les voitures américaines ont occupé une place importante dans ton travail. Yes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Alors, les choses sont simples. J'ai rencontré une galeriste qui s'appelait Isabelle Nicolosi, qui avait une galerie qui s'appelait la Galerie Vitesse. Elle m'a proposé qu'on collabore ensemble, je fasse des voitures américaines, ce que j'ai fait. Et voilà. Mais en revanche, j'ai toujours été sensible sur ce genre de véhicule, parce qu'à Nancy, dans les années 60, Nancy, nous sommes en pleine guerre froide, Nancy est entourée de bases américaines où on pouvait aller voir les voitures de près et les avions de près, car ils faisaient des journées portes ouvertes tous les ans. Voilà. Et je voyais sur les portes de Noël, Merry Christmas, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça venait de l'au-delà, pour moi c'était fabuleux. Et alors, pour conclure, les petits Américains qu'il y avait un peu parseminés dans Nancy étaient et attendaient le bus à des arrêts, c'était marqué Skoll Bus. Et là, le bus passait, c'était un bus jaune, les phares allumés, les portes s'ouvraient, et là, j'ai eu le choc de ma vie. Et ce que je dois dire, j'ai vu un mec noir. Je n'avais jamais vu de mec noir dans Nancy. J'ai dit, maman, regarde le monsieur, il est noir. Elle m'a dit, on n'entre pas du doigt, Jean-François. Voilà. Jean-François, le cinéma fait partie aussi de tes sources d'inspiration. Tu peux m'en dire deux mots ? Oui. Le cinéma, dans notre génération, était très important. Il y avait des ciné-clubs, des cinémathèques, etc. Donc, ça fait partie de notre culture. J'aurais voulu, moi, faire l'IDEC après les arts déco, parce que je suis un passionné de cinéma. J'avais d'ailleurs piqué la caméra de mon père, qui avait une caméra 8 mm. J'ai filmé en 12, avec une bande magnétique après qui était rapportée, parce que c'était une caméra muette. Et bien entendu, je n'ai pas pu faire l'IDEC, parce que mon père m'a dit non, pas de clodo dans la famille, ça suffit, je ne te mets plus d'études. Mais par la suite, je me suis quand même un peu vengé, parce que ça a servi de thématique à certaines de mes toiles de cinéma. Au travers de ce support, j'ai pu m'exprimer cinématiquement parlant. Et le hasard a voulu aussi que je rencontre Jacques Gageaus. Alors, qui est Jacques Gageaus ? Jacques Gageaus est le fondateur de la FEMIS, qui remplace l'IDEC, la FEMIS, Fondation Européenne des Métiers d'Image et du Son. C'est sur une initiative de Jacques Lang, qui voulait créer une école à l'échelle européenne, alors que l'IDEC était très franco-française. Voilà. Et cette fresque a été exposée, il m'a commandé une fresque, je ne sais pas si je l'ai dit, il m'a commandé une fresque, Jacques Gageaus, pour mettre dans le palais de Tokyo, sur les 8 métiers de la FEMIS. Jean-François, dans de nombreuses peintures, j'ai pu remarquer qu'il y avait un travail poussé sur la perspective, et aussi bien pour les objets que pour les bâtiments. Très poussé. J'adore ça, j'aime les effets de profondeur, j'aime rendre des choses, comment dirais-je, assez fuyantes, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et par exemple, dans ces toiles-là, j'adore mon effet de profondeur dans cette rue. On verra plus tard sur les pompes aussi, qui sont dans le désert ou dans la rue. On retrouve aussi cette passion pour la perspective dans les scénographies que j'ai pu faire et réaliser au cours de ma longue vie besogneuse, pour gagner quelques sous, puisque la peinture n'a jamais nourri son homme. Alors on peut voir ici un reste de perspective dans une scénographie d'un projet qui malheureusement n'a pas abouti, comme ça arrive quelquefois, et pourtant que j'adorais.